Salut les gars, bien, c'est moi votre frère Kierli Maestro, donc je vous salue partout où vous êtes. Juste, je m'adresse trop au Maestro, Maestro qui me suit. Aujourd'hui, on va juste faire la différence sur des accords. Il y a deux accords où il y a la canaba mode, il y a la façon dont on peut le jouer. Il n'y a pas tout accord ni sauté, on peut jouer quoi que ce soit. Donc je donne par exemple le gamme de do. Nous le savons très bien que non, la gamme y a do, on le joue. Mais il y a nakata do, tozana 7. Vous voyez que ça sonne un peu différemment. Toi, la nef. Donc, il y a un peu de différence. Aujourd'hui, alors, je veux commencer le cours pour les accords un peu flous, pour les accords un peu difficiles. Je ne veux pas toucher vraiment. Je veux pas toucher la gamme majeure. On va trop utiliser de 13, on va trop utiliser de mineur harmonique, on va trop utiliser de 9, des 7 9. Donc, on va commencer cette vidéo. On va commencer cette vidéo par l'accord 7 9. 7 9. 7 9. 7 9e. Si vous voyez par exemple cet accord 7 9. Donc, vous allez les déchiffrer comme ça. Je recommence. Je recommence pour une fois de plus. Un peu lent. Donc, merci à vous.